Bonjour à toutes pour cette petite vidéo, une vidéo tuto donc que je n'ai pas fait en live pour une fois, mais qui est préenregistrée. Voilà, donc je suis Prisca Benedetti, Descartes pour le dire, et ça fait il y a un petit moment que je vous avais présenté cette carte-ci que j'ai appelée la carte médaillon. Voilà, donc ça fait, elle est déjà depuis sur un événement, etc. Et puis comme je vous disais, n'étant pas disponible les mercredis après-midi en ce moment du mois de juin, donc je suis, c'est pour ça que je vais vous faire quand même le tuto que je vais vous poster donc le 18 juin, donc aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter cette carte plus en détail et puis les autres version que j'ai faite également. Donc ici, moi j'avais fait donc cette version ici avec le vœu j'ai pensé à toi comme ceci. Donc voyez le, il s'agit de trois ronds. Donc ici vous avez une partie embossée avec une fleur. Au milieu vous avez une partie sur un papier uni ici rose. Voilà comme ceci pour pouvoir écrire un petit mot. Et sur le troisième rond, vous avez donc une décoration en dessous et une fleur en 3D avec un vœu et un petit nœud. Voilà, donc ça, j'avais réalisé, j'avais fait ce médaillon-là. Donc pour celles qui ont peut-être ce produit, je vais vous montrer avec lequel. Donc j'avais fait, donc c'était avec donc la collection Pivoine Pensive de Stampin' Up. Et avec cette collection, vous aviez également donc les dies ici, donc les poinçons du même nom, poinçons pivoine. Donc c'est grâce à ces poinçons ici que vous allez pouvoir faire la petite pivoine ici qui est en 3D. Donc vous avez quatre poinçons comme ceci. Voilà, donc vous avez du plus grand, voilà le deuxième, le troisième et le quatrième que vous découpez dans la Big Shot. Et ensuite, donc vous venez les encastrer. Vous commencez par encastrer, par prendre dans la main le plus grand, puis vous encastrez celui d'en dessous, comme ça à l'intérieur, le troisième et le quatrième. Et ici, vous ancrez un peu les bords. Donc, si vous n'avez pas ces tampons-là, donc moi voilà, je pense qu'ils ne sont plus au catalogue, malheureusement. Mais vous pouvez toujours mettre une autre fleur à la place. Hein, un tampon que vous avez chez vous, d'une jolie fleur qui fasse un peu romantique comme ceci. Et puis, vous la découpez. L'important, c'est que la fleur ici, elle est posée grâce à un 3D mousse. Et ici, bah, si vous avez un tampon avec des écritures comme ça, vous tamponnez un peu, voyez les tampons avec des écritures, une fleur un peu en ton sur ton, voilà léger. Moi ici, j'avais pris du vanille et vous mettez votre fleur en 3D comme ceci au milieu. Je vais vous donner les tailles des ronds et puis on va en faire un ensemble de toute façon. Donc ça, c'était pour cette version-là avec les pivoines. Ensuite, je me suis amusée à faire une autre version un peu marine. Donc là, vous regardez chez vous les tampons que vous pouvez avoir dans vos tiroirs. Moi, j'avais des petits tamponnages comme ça de phares. Donc, j'ai tamponné les phares. Donc ici, c'est en sur la première, le premier rond, c'est embossé à chaud avec de la poudre embossée blanche. Et ensuite, ici, j'ai tamponné des petits mots qui fassent penser à la mer, voilà, des petits mots différents, et j'ai tamponné une encre, etc. Donc vous avez certainement dans vos tiroirs des tampons pour faire cette version-là. Donc après c'est la même chose, hein. J'ai un uni pour écrire,
que j'ai mis dans les tons bleus, et un uni plus clair où je suis venue. Donc j'avais également ce tamponnage ici, c'était du Swan Flowers. Et puis ici, j'avais un petit die aussi pour découper un petit t-shirt. J'ai mis un mot qui fasse penser à la mer. J'avais des petites étiquettes ici, c'était pareil, ça faisait partie du kit de Stampin' Up avec les petits cœurs ici, donc que j'avais, qu'on avait eu par kit. Le kit Tu es mon phare, donc j'ai rajouté. Et puis ici, j'ai regardé sur internet pour faire un nœud marin. Et j'ai pris de la ficelle comme ça, un peu couleur mastic. Et j'ai fait le nœud marin et je suis venue le coller. Et avant, j'avais tamponné donc des petites choses un peu marines, vraiment léger, en ton sur ton, dans le fond. Voilà, donc ça, c'est la version marine. Et pour le haut, donc là, j'ai mis une petite cordelette blanche que j'avais. Donc la version marine, elle peut être accessible également à pas mal de personnes. Parce que je pense que... des tamponnages de mer, etc. sur le thème mer, on en a tous un peu dans nos tiroirs. Donc ça, c'est la deuxième version. Pour la troisième version, j'ai voulu faire des tons verts. Donc toujours le même principe, hein. Le premier rond est tamponné ici à chaud, donc avec une poudre à embosser rose pâle. Et ensuite, j'ai mis un deuxième un rond ainsi dans les tons verts pour écrire. Et ici, donc j'ai fait une version florale avec un pot de fleurs, le mot bonne fête, voilà, deux petites décos. Et ceci, donc c'est toujours du Stampin' Up. Là, cette fois-ci, donc pareil, hein, pour ceux qui l'auraient, c'est aussi un tamponnage qu'on avait accès, je pense, l'année dernière, je pense qu'il n'est plus sous catalogue. Moi, je ne suis plus démonstratrice, donc je vous invite à vous rapprocher de votre démo. Et c'était Simply Succulence. Voilà, donc j'ai tamponné ici. Bon, vous avez peut-être aussi d'autres tamponnages d'autres marques, hein. J'ai tamponné un fond ici avec le pot que j'ai découpé à la main. Tout autour, j'ai détouré. Donc le pot, il est mis en 3D. Après, vous découpez des petites fleurs. Donc j'en ai fait 4. Donc vous avez peut-être aussi d'autres tamponnages. Donc moi, j'ai fait ces petites fleurs ici. Il y en a que j'ai fait dans le rose et d'autres dans la couleur vanille. Et j'en ai mis deux collés directement et deux avec un 3D mousse. Et ici, si vous avez des poinçons de feuillage, voilà, moi j'ai mis celui-là en vert. Ensuite, j'avais rajouté ici une petite fleur avec les découpes, les poinçons qui vont avec le set de tampons, qui sont poinçons potés de succulentes. Donc j'ai découpé cette fleur-là, et puis après vous mettez un vœu quelconque, et j'ai mis ici, voyez, un petit fil doré. Ça c'est pour vous expliquer qu'avec le même système, avec la même carte, on peut faire plusieurs versions différentes. Et aujourd'hui, donc avec vous, j'avais envie de faire donc une version avec des chats, ou des petits chats. Voilà, un peu humoristique. Donc vous cherchez bien chez vous. Si vous avez à l'occasion un petit tamponnage, peut-être d'un chat ou de quelque chose d'humoristique. Moi ici, j'avais eu ce set de tampons, enfin il y a deux tampons, qui vient de Art Stamp. On ne sait pas d'aujourd'hui non plus, hein, ça fait un moment que je l'ai, mais je pense qu'il doit encore exister chez Carabelle Studio. Et j'aime bien ce petit chat là, un peu un télo avec ses lunettes et son nœud pape. Et du coup, j'ai repris ça. Donc, je vais essayer de faire cette version là chat. Et puis, je vais pouvoir pour le vœu donc noter ce petit vœu rigolo. C'est l'élégance simple qui nous charme. Voilà. Donc, je vais faire avec ça. Ensuite, voyez dans mes foufoufs, j'ai retrouvé également. Donc, en fait, ça c'est des vieux tamponnages que j'avais. J'ai des petites papattes de chat. Vous en avez peut-être. Moi, je me suis dit que j'allais les utiliser pour le fond. Ici, le fond embossé. Là. Donc, je vais l'utiliser là. Donc, on va voir avec ça. Et ici, j'avais également ce set de tampons qui est déjà qui a un petit moment aussi de Stampin' Up. Qui s'appelle Nine Leaves avec les petits chats, et je vais peut-être utiliser ici la petite bonbole de la petite boule de laine, peut-être la petite souris, voilà quelques petites choses
le petit poisson, la petite gamelle, aussi pour mettre dans le fond. Donc vous essayez de trouver quelques petits tamponnages. Alors si c'est pas sur le thème du chat, ben, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais déjà, vous commencez par réunir vos tampons qui sont dans le même thème pour pouvoir faire votre carte. Ensuite, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de deux poinçons, enfin deux poinçons de rond. Donc, peu importe si ce n'est pas les mêmes grandeurs que moi, mais l'important, il faut qu'il y en ait un plus grand, quand même pas mal plus grand, comme ça, qu'on puisse le voir. Comme vous voyez ici, quand tous mes ronds sont fermés, on voit celui de dessous. Donc un plus grand et deux qui seront avec un peu plus petit. Vous voyez un peu la différence. Et moi, pour vous donner les mesures, donc moi, le diamètre du grand fait 9,5 et celui-là fait 8. Donc vous avez peut-être aussi également ces ronds-là. Hein, quand on fait du scrap, on a pas mal de poinçons sous la main. En rond, pourquoi pas, vous pouvez faire la même chose en carré, mais on va plus l'appeler la carte médaillon, on va l'appeler autrement. Alors, pour ce, vous allez prendre donc un rond, donc vous allez choisir vos couleurs. Donc d'abord, comme ici, moi j'allais faire un thème plante, donc j'ai choisi le rond d'en dessous, vert. Le rond d'en dessous devra toujours être un peu plus foncé. Par exemple, ici, le thème mer, j'ai pris un bleu. Et j'ai gardé donc le plus foncé. Pourquoi? Parce que comme ça embossé sur du blanc ou du rose pâle, il faut quand même que ça ressorte. Donc vous choisissez une couleur unie, pas trop claire. Vous voyez ici, moi j'avais pris carrément du papier craft. Et aujourd'hui, je vais reprendre donc du papier craft. Donc ça, c'est pour le rond du dessous. Donc celui-ci, moi, c'est celui qui fait 9,5 de diamètre. Donc vous prenez un papier uni d'une couleur, je répète, un peu foncé dans les couleurs de votre thème. Moi ici j'ai repris du craft et il fait 9,5, donc vous découpez un rond. Ensuite vous allez prendre celui de 8 cm et vous allez choisir cette fois-ci un papier donc clair, blanc ou vanille ou un rose pâle ou un bleu pâle, quelque chose pour pouvoir écrire ici. Donc faut pas que ce soit trop foncé puisque vous allez prendre votre stylo et vous allez écrire directement le petit mot à la personne à laquelle vous allez envoyer la carte. Donc je répète, une couleur pas trop foncée avec le rond du diamètre 8. Ensuite, vous allez choisir soit un papier uni comme moi j'ai fait ici, j'ai pris un papier uni mais j'ai tamponné ici dans le fond quelques écritures, j'ai pris un tampon de fond. Ou alors, bon là c'était un uni aussi que j'ai tamponné des choses de la mer. Ou alors, vous pouvez très bien prendre un papier à motif. Vous voyez là, il y a un léger motif, je l'ai eu comme ça. Et moi aujourd'hui, je vais prendre celui-là. Donc c'est un papier à motif qui sont dans les mêmes tons à peu près, marron, vanille, etc. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Et le rond, il fait pareil que l'autre, il fait 8 cm. Donc je répète, un grand de 9,5 ou un peu plus, comme vous voulez, dans une couleur unie foncée. Un plus petit de 8 cm vanille pour écrire. Et un autre, soit vanille ou blanc, que vous allez tamponner avec quelque chose de fond. Ou un papier à motif avec un léger motif que votre décoration du dessus puisse aller. Quand vous avez fait ces trois ronds ici, on va commencer donc par prendre le plus foncé ici et on va l'embosser à chaud. Donc pour l'embosser à chaud, on va prendre de l'encre Versamark, celle qui avec laquelle on va pouvoir coller. C'est une encre, une colle. Et ensuite, vous allez choisir votre poudre à embosser. Donc aujourd'hui, je vais prendre cette poudre ici. C'est une poudre blanche avec des petites paillettes. Donc vous allez prendre ici un papier A4, n'importe, hein, voilà, comme ceci. Et vous allez le plier en deux, ça c'est pour pouvoir récupérer la poudre. Vous allez le placer en dessous. Ensuite, vous allez choisir les tamponnages sur lesquels vous allez faire le fond. Donc ici, moi c'était un thème floral, donc j'ai choisi d'embosser des fleurs. Ici pour la mer, j'ai choisi les phares, l'encre et tutti quanti. Et ici pour le thème un peu romantique, j'ai choisi de tamponner les pivoines.
Aujourd'hui, comme je vous disais, j'avais envie de mettre quelques petites choses. Donc, j'ai des papates de chat. Puisque là, je vais vous faire le thème chat. Et vous choisissez votre thème. Donc, je prépare mes petits tampons. Comme ça, je vais mettre une papate. Et deux. Et trois, voilà, puisque j'en ai plusieurs. Et je vais commencer à prendre mon encre Versamark. J'encre bien avec mon encre colle. Et je vais venir en mettre, par exemple, un peu ici. Et un peu là. Voilà, pour qu'il y ait... Oh, je vais même encore en mettre un petit peu là. Pour qu'il y ait quand même quelques petites papates. Ensuite, bah, comme quand on embosse, normal, on prend sa poudre à embosser. Celle-ci, je m'en suis jamais servie. J'espère qu'elle est, elle est pas mal. Vous en placez sur ce que vous avez tamponné avec la Versamark. Voilà, donc là, vous voyez, elle est un peu brillante. Je souffle pour éliminer l'excédent. Du coup, ici, comme j'ai plié mon papier en brouillon A4, je vais récupérer ma poudre et je vais la remettre dans mon pot. Ensuite, je vais prendre donc mon pistolet à chauffer et puis je vais chauffer. Donc, normalement, ça devrait ressortir et s'embosser. Alors, les poudres à embosser, ça s'achète un peu tout partout. Vous voyez, moi, celle-ci, je m'en étais jamais servie. Donc, je la découvre en même temps que vous. C'est sympa. Du coup, c'est pas blanc. Ça fait un effet transparent, un peu granuleux, avec des petites paillettes dedans. Donc, je ne vais pas tout faire mes motifs comme ça. Je vais prendre aussi de la poudre blanche. Et si vous l'aimez bien, ben voilà, c'est Easy Ink Embossing, poudre à embosser. Et c'est marqué quoi? Ah, ben, transparent pailleté. Donc, c'était bien marqué dessus, transparent pailleté. C'est sympa, le look est sympa, ça fait un peu brillant, j'aime bien. Alors ensuite, je vais reprendre quand même de la blanche pour pas faire tout en transparent. Donc il m'en reste un petit peu de blanche. Et je vais continuer à embosser. Donc j'avais envie de mettre un petit poisson. Donc je vais enlever les papates. Donc j'ai un petit poisson. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore? Petit poisson, petit poisson. Ah, mais là, j'avais la boule de laine ici, là, chez Stampin' Up. Donc, je vais me la mettre ici à côté. C'est pas celle-là. C'est plus celle-là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai encore en magasin là-dessus? La petite souris, elle me plaisait bien aussi. Là, la petite souris, elle est où la petite souris? Je ne la vois pas. Elle est là. Elle est tellement petite, je ne l'ai pas vue. Ben non, elle est là. Ma petite souris, elle a dû tomber, j'ai dû la perdre, je ne sais pas quoi, je ne la trouve pas. Voilà, bon, bah tant pis, il n'y aura pas de petite souris. Zut! Bon, on va déjà mettre ces deux-là, on verra bien. Sont tellement petits. Alors je recommence. Donc cette fois-ci je vais embosser en blanc. Donc je vais retamponner. Donc je vais en mettre un peu ici. Voilà, l'important c'est de mettre des petits motifs en rapport avec le thème choisi. Voilà, peut-être je vais remettre un petit poisson par là. Voilà. Donc je vais rembosser avec ma poudre. Maintenant je vais prendre avec, je vais mettre du blanc. Donc vous allez fouiller dans vos affaires hein, et vous allez réfléchir au thème que vous allez choisir et mettre de côté tout ce qui peut se rapporter à votre thème. Ici quand vous avez un petit peu, voilà ici j'ai un peu, ça n'a pas fait, donc j'enlève. Voilà. Faut pas qu'il y ait de poudre.
Voilà, et là je reprends mon pistolet à chauffer. Voilà. Alors, ensuite, on fait comme tout à l'heure. C'est pas grave, quand vous entendez le zigouigoui, c'est un SMS. Donc, ça c'est terminé. Hop, hop, hop. Donc voilà, j'ai embossé donc mon fond. Ensuite, quand vous avez fait ceci, vous allez prendre une petite perfo. Donc ici, je prends la Crocodile et je viens faire un trou où je veux, hein, peu importe, vous faites un trou. Voilà, vous faites pour que ce soit comme ça vous plaît, dans le sens que ça vous plaît. Quand vous avez fait le premier trou, vous prenez le deuxième rond, le vanille, et vous allez venir le placer comme ça derrière, de façon à ce que le haut comme ça se juxtapose. Le bas va pas se juxtaposer, c'est normal. Et vous faites une petite marque ici, comme ça vous savez que c'est là que vous allez reperforer votre deuxième trou. Et vous faites pareil cette fois-ci avec, en juxtaposant les deux ronds pareil, vous faites une petite marque aussi. Et ici, vous allez perforer. Comme ça, vous avez déjà vos trois ronds de près. Donc, on a fait celui-là. Le deuxième, on n'y met rien. Ce sera pour écrire. Et le troisième, bah, c'est là qu'on va avoir toute notre déco du dessus. Donc, je vais ranger mes papates parce que sinon, je vais les perdre. Donc, je vais les mettre ici. Je leur donne un petit coup. Je vais les mettre sur le côté. Donc pendant ce temps-là, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Donc moi après, je vais tamponner mon petit chat rigolo. Donc on va tamponner bah, sur du papier blanc. Donc moi je vais prendre du blanc parce que je vais le mettre là-dessus. Après, bon bah vous voyez par rapport aux couleurs que vous avez mises. Mais il va falloir commencer à s'occuper ici de la déco du dessus, comme par exemple ici, moi ça concernait la fleur ou le t-shirt ou le pot de succulente. Alors, moi j'enlève mon petit chat, je prends un bloc acrylique et je vais prendre donc du papier blanc. Voilà. Donc là, je vais carrément tamponner mon petit chat. Donc je vais le tamponner. Bon, on va voir en noir hein, si ça ne va pas. Je vais changer de couleur. Voilà, et je m'occupe de faire mon tamponnage. Donc voilà ce qu'il donne, ce petit chat. Ensuite, je vais donc le colorier. Donc là, moi, j'ai des Caran d'Ache. Voilà, ce sont des. Ce sont. Donc ça se colorie assez facilement. Voilà, je me suis acheté ça. J'ai trouvé que c'était assez rapide et bien sympa. Je vais faire un petit chat un peu avec des tons roux, par exemple. Voilà, donc là, avec ça, vous coloriez directement. Donc ça, c'est pareil, hein, vous avez ça sur pas mal de boutiques, dans plusieurs boutiques de scrap. Je vais faire deux couleurs, comme ça et comme ça, un peu de gris. Et ensuite, eh bien, on prend carrément un pinceau mouillé. En fait, ça fait comme les crayons aquarellables. Voilà, on va y remettre un peu de touche d'orange dans son gris. Voilà, et ensuite vous prenez carrément un.
travers, on voit bien les poils aussi. Vous prenez carrément un pinceau comme ceci avec de l'eau à l'intérieur là. Et puis carrément on fait ressortir un peu la couleur avec, avec l'eau en fait. C'est comme un crayon aquarellable en fait. Sauf que c'est plus peut-être plus rapide. Et puis c'est sympa quand on fait comme ça, quand on veut faire un peu moiré sur un pelage d'animaux ou d'un animal. Et voilà, c'est assez, assez pratique. En deux temps, voilà. Voilà, ensuite je vais lui faire un petit nez rose. Donc là, je vais faire un petit nez comme ça. Je vais lui prendre un petit nœud. Voilà le petit nœud, je vais le mettre en couleur. On va faire un petit nœud orange. Orange jaune. Voilà. Et ici, j'ai oublié des parties que je vais y remédier. On va remettre un petit peu de gris. Donc ça peut s'utiliser en mouillant carrément. En fait, ça fait comme des craies grasses comme on a à l'école ou quand on était petit. Et ensuite, on peut mouiller avec le pinceau ou aller gratter la matière. Ou voilà, on peut faire plein de choses différentes. Voilà, donc quand mon petit chat est colorié, donc du coup, bah, je vais le détourer. Donc là, comme c'est pas, il n'y a pas beaucoup de précision, donc ça va quand même assez bien. Ou alors, vous avez peut-être chez vous un tamponnage avec le poisson associé. Voilà, dans le thème que vous avez choisi. Donc ensuite, ce serait bien, ce serait de... Quand votre carte est terminée, de me poster votre version. Ici, par contre, les moustaches, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Non, les moustaches, c'est pas top. Je ne vais pas les découper jusqu'à fond. Je vais arrêter comme ça. Et oui, alors vous me postez votre version, comme ça, on va pouvoir voir. Les différentes versions de chacune. Mais bon, après, du moment qu'on a tout ce qu'il faut pour faire la carte, les dimensions, etc., on peut décliner dans plusieurs versions. Voilà, vous découpez ce que vous avez voulu mettre en valeur. Donc ici, faites bien attention au trou, hein, bien sûr. Moi, je vais ici. Donc cette chose-là, ce que vous allez mettre ici en valeur, vous allez le mettre en 3D. Donc il va nous falloir du 3D mousse. Donc vous mettez des petits 3D mousse pour qu'ils puissent être un peu en relief. Voilà. Ensuite, on enlève les pellicules. Et après, bah, vous faites, hein, j'avais envie de vous dire, la petite décoration comme vous voulez à côté. Donc, moi, je ne vais pas non plus peaufiner
Éternam devant vous. Voilà, c'est pour vous expliquer juste qu'on peut on peut en faire la version qu'on veut. Donc après, si vous voulez faire des versions 3D ici avec là, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment se servir de ces dailles-là, de ces poissons-là pour former la fleur. Donc aussi bien sur mon YouTube que sur ma page. Donc voilà, comme aujourd'hui j'avais envie de vous faire le petit chat. Et vous collez directement donc ici sur votre dernier rond. Ensuite, on va penser donc au vœu. Donc ici, le vœu, moi le vœu, il est quand même assez proéminent. Je vais reprendre du blanc. Je vais tamponner dans une autre couleur un peu pour dire de donner un peu quand même de couleur à ma carte. Je prends un bloc acrylique et je tamponne. Voilà. Et ensuite, je vais découper avec une étiquette où je vais détourer. Je peux détourer aussi. Hein. Voilà, un peu comme ça pour que ce soit que ça passe bien sur mon chat sans trop le cacher. C'est l'élégance simple qui vous qui nous charme. Voilà. Voilà. Donc par exemple, le vœu, bah, je vais le mettre ici devant le chat. Donc là, je vais le coller avec un glue dots ou directement. Là, il n'y a pas trop besoin d'épaisseur. Il va être collé directement sur le chat. Vous pouvez très bien prendre de la colle normale. Voilà, je le colle comme ça devant. J'ai fait une belle tache au passage parce que j'avais de l'encre sur le doigt. Bah, bravo. Donc, bah, comme j'ai fait une petite tache, on va essayer de cacher avec quelque chose. Hein. Ça, c'est l'astuce. L'astuce, comme dirait l'autre. Alors, on va mettre quoi? On va essayer de se trouver une petite feuille ou je sais pas quoi. J'ai une petite feuille dans les tons orange. Donc c'est un embellissement. Sinon vous mettez un. Vous pouvez mettre un bijou là. J'arrive même pas à enlever le. Donc là, je vais bientôt plus avoir de batterie. Je vais brancher. Voilà. Comme ça, vous avez tous les clics et les déclics. Bon, bah, je vais mettre de la colle, hein, parce que je m'en sors pas. On va mettre comme une petite feuille qui tombe ici. Et puis on va se mettre un petit. Un petit bijou. Pour faire un petit brillant, on va en mettre un ici. Et un là. Voilà. Donc là, voilà. Bon, j'ai fait ma déco de celui du dessus. Donc ensuite, vous prenez donc le premier embossé, ensuite le deuxième, puis ensuite le dernier.
Et puis vous allez prendre donc un petit ruban ou un petit fil, hein, comme là des fois pour le truc marin. Moi j'ai préféré prendre du coton blanc. Et puis bah carrément, vous passez avec votre ruban dans le premier trou. Voilà, après c'est tout simple. Vous voyez, donc vous pouvez donc faire plusieurs versions avec ce style de carte. Alors, ça peut être un petit médaillon comme ça offert en carte, ou pourquoi pas s'en servir pour une étiquette pour un cadeau. Comme ça, vous avez une étiquette personnalisée pour offrir un cadeau. Vous la mettez dessus et sur le petit rond du milieu, ici, vous pouvez marquer, voilà, un cadeau pour toi, ou joyeux anniversaire, etc. Voilà, donc la dernière version, la version chat. La version romantique, la version bonne fête en fleurs, la version mère. Voilà. Bien, écoutez, ça en est terminé pour cette carte. Donc j'attends avec impatience vos versions de petits médaillons, de petites cartes rondes médaillons. Et puis je vous dis à bientôt, donc dans le courant juillet, où je vous présenterai un autre tuto d'une carte ou peut-être une présentation d'album que là je suis en cours de faire un album nature. Voilà. Juin, ça va pas être possible, donc ce sera plutôt en juillet. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto tous ensemble. Au revoir, à bientôt.